Donc tu mets tes mains comme ça et tac, petite montée de genoux, alternée, on se réveille tout doucement. C'est super. Impeccable. Ah, super. Donc là, on est sur la semaine où on fait des répétitions de blocs. Donc le bloc 1, tu te rappelles, on va les faire 3 fois. Et après, on passera au bloc 2, on le fera 3 fois. Donc là, on est parti, j'ai calculé, on est à peu près, pas tout à fait, 30 minutes d'exercice. Tu montes le genou bien haut et tu me fais ce petit pivot avec ton buste. Tu souffles. Tu passes au sol et on va faire du chien tête en bas. Donc tu te mets en position de planche, comme ceci. Tu pousses, tu touches ta cheville. Tu pousses, tu touches ta cheville. Donc en fait, tu pousses comme ça. Et quand tu es là, tu touches. Tu reviens. Quand tu es là, tu touches. Tu reviens. Tu touches. Tu peux toucher les tibias, ça me va. À mi-chemin. Attention de ne pas glisser. Voilà, tu serres bien les abdos, tu rétroverses ton bassin. Tes mains sont en dessous de tes épaules. 3, parfait. 2, 1, commencez. Et là, on marche au sol. Donc tu remontes, tu lèves les bras, tu redescends. Petit circuit pour s'échauffer. Allez, on marche au sol. Je suis partie sur des chronos de 50 secondes, tu vois, avec 4 exercices dans chaque bloc. Donc chaque bloc dure 9 minutes 30 à peu près. On descend. Allez, courage. Petit circuit abdos. On descend. Allez, on va se mettre comme ceci, regarde. Tu montes les pieds comme ça et tu touches. Tu essaies de toucher tes lacets. Si les bras en l'air, c'est trop dur, aucun problème. Tu plies à 90 et tu vas vers l'avant. D'accord? C'est comme tu préfères, soit comme ça, soit comme ça. Amiche. Courage. Courage. Encore. Encore. Tu t'accroches. Ça chauffe, hein, c'est normal. En plus, on a pas mal travaillé les abdos, lui, hein. Aussi. En même temps que le fessier. 3, 2, 1. Commencez. On recommence le circuit du début. Donc, on part sur les montées de genoux. Donc. Parfait. Tu peux faire comme ça, hein. Si tu préfères. C'est comme tu veux, tu peux faire juste un touche cheville. Et t'alternes. Tu fais bien ce petit mouvement de pivot. Après, je vais déposer semeur à la tension. Tu vois. Impeccable. On souffle. On souffle. 3, 2, 1. Vous allez voir, elle est cool cette séance. Donc là, on repart en chien tête en bas. Donc tu te mets comme ça. Tu pousses vers l'arrière. Tu touches. Tu reviens. Tu touches. Tu reviens en planche. Allez. Tu pousses vers l'arrière. Tu touches. Si tu touches que le tibia, ça va. T'es pas obligé d'aller loin dans les chevilles. Tu souffles, tu rétroverses ton bassin. Normalement, tu dois sentir les abdos qui se contractent. Hein. Parfait. Tu stabilises et quand tu es prête, tu pousses. Tu stabilises, quand tu es prête, tu pousses. Parfait. Encore. 3, 2, 1. Commencez. Et là, on marche au sol. Donc, tu es sur ta planche, tu recules. Tu remontes, on descend, là ça échauffe tout le corps, celui-là,
Celui-là, il chauffe les jambes. Il est en l'air. Il active vraiment tout, les épaules, les abdos. Hop là, c'est vraiment un petit circuit d'échauffement tout doux, mais qui donne quand même chaud, hein, parce que je commence à avoir un petit peu chaud, tu vois. Allez, encore, parfait. On redescend. Allez, on va passer sur nos petits crunchs. Donc tu te mets comme ça, hop. Tu touches, tu touches, tu touches, touche doucement. Regarde, tu montes doucement, tu touches, tu redescends doucement. Tu me mets de la lenteur. Tu n'es pas obligé d'aller vite, d'accord? Quand tu es prête, tu contractes, tu soulèves. Tu montes à la force des abdos, bien sûr. Hein. Pas à la force de ton cul, hein. D'accord? C'est pas tes fesses qui bougent, hein. C'est ton buste qui se lève. Et du courage. Courage encore. Hop et ça. Allez, on monte. On va faire monter. Donc, soit tu fais l'exercice de tout à l'heure, soit tu fais ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et sinon, tu fais des montées de genoux classiques sans saut. D'accord? Ça, c'est que pour ceux qui peuvent. C'est histoire d'activer un peu tout ça. Voilà. Tu te rappelles de l'exercice sans saut? Sans saut, c'est ça. C'est tac, 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 tac. Et ceux qui peuvent, on saute. Courage. On descend au sol et on va passer par des mountain climbers. On fait plus le chien, tête en bas. On va faire 1, 2, 3, 4. Un chien, tête en bas. 1, 2, 3, 4. Un chien, tête en bas. 1, 2, 3, 4. Un chien, tête en bas. Regarde, essaye ça. Tu touches le coude. 1, 2, 3. 4, un chien tête en bas. Si tu n'arrives pas à toucher ton coude, c'est pas grave. Bientôt, tu y arriveras. C'est une promesse que je te fais. Bientôt, tu y arriveras. Et si tu n'es pas loin de le toucher, normalement, la sensation que tu ressens, c'est comme si ça se déchirait dans tes côtes. Et là, on marche au sol. Donc, tu marches, un petit saut. Le saut, c'est optionnel, sinon tu fais un squat. Et tu reviens comme ça. Et tu reviens comme ça. Si tu peux pas faire de saut, tu fais la même option que tout à l'heure. Tu fais juste un squat et tu redescends. Et ceux qui peuvent, petit saut, tu vois. Allez, encore. Ta buste détente, une raie se traîne. Tu te concentres, quand t'es prête, t'exploses. Courage. Allez, encore. Parfait. Et là, on va se faire un petit touche lacet. T'es prête? Donc, là. Parfait. Encore. Super. Oh, pétard, génial. Regarde-moi ça. Comme c'est cool. T'as vu ça un petit peu? Génial. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est pas génial tout ça? Oh pétard! Ouf. Allez, courage! Ça chauffe les abdos, je sais. Moi aussi. Toi aussi. Elle aussi. Lui aussi. On est tous dans le même bateau. On s'approche. Exercice terminé. Le bloc 1 est terminé. Tu vois, la séance, elle sera en replay sur YouTube, hein, tu le sais. Hein. Donc là, tu bois une petite gorgée d'eau. On part pour le bloc 2. Prête, prêt, on va descendre au sol. Donc,
tu descends au sol, tu mets tes bras ici, regarde bien, tu pivotes, tu passes la jambe, tu touches, tu reviens, tu pivotes, tu touches, tu touches, c'est oblique, hein. Tu vois, parfait, super, allez, encore. Allez, courage, tu le sens, hein, dans tes abdos là, dans les obliques, tu le sens que il se passe quelque chose, tu vois. Courage. Allez. Commencez. Super. Une fois que tu as fait ça, ah oui, super. Donc tu attrapes une haltère, n'importe la terre. Tu attrapes ton haltère et tu vas faire 1. 2, 3, 4, et ensuite tu descends, 1, 2, tu redescends, 3, tu remontes, tu redescends, 4, tu remontes, allez, 1, 2, 3, 4, ça n'a aucun intérêt de prendre deux haltères, il faut vraiment que ton haltère, elle soit que d'un côté. 3, 2, donc ne m'en prends pas deux. On fait l'autre côté, d'accord? Donc 1, là c'est ce côté-là qui travaille. Parfait. Et là tu descends, tu tournes, tu remontes, tu descends, tu tournes, tu remontes. On fait 4 de chaque. Parfait. Dans une séance abdos, je te cale défense. 1, tu sers. 2, 3, 4. Aucun intérêt de prendre deux haltères. Fais surtout pas ça. Hein. Tu contractes, tu pivotes. Tu contractes, tu pivotes. 3, 2, impeccable. Et là, on va descendre au sol. On repart sur le crunch tout placé. Donc tu descends ici. Et tu touches tes lacets. Parfait. Nickel. Courage. Super. Alors, accroche-toi. Hein. Ça chauffe. Hein. Ça pique. C'est normal. C'est normal. C'est normal, tu vois. Oh pétard. Encore. Encore. Courage. Hein. 3, 2, 1. Allez, tu te relèves. On part sur la planche. Donc, tu te mets sur ta planche, tu tournes et tu touches. Tu tournes, tu touches. Tu tournes, tu touches. Allez, courage. Oh la vache. Oh la vache. C'est dur. C'est dur. Au pire, tu restes en planche. Tu fais que des mountain climbers. Oh pétard. Oh, oh pétard. La vache. 3, 2, 1. Tu remontes. Là, on va faire jusqu'à la mi-chemin, tu restes comme ça. Et là, c'est ce côté-là que tu travailles. Ne te trompe pas. Encore. 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 Et là, tu prends ton haltère, tu descends gauche, tu remontes. Gauche jusqu'à la fin, tu remontes. Tu remontes. Le dos droit, tu remontes. Le dos droit, tu remontes. Parfait. 3, 2, 1. Tu remontes. Commencez. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Tu prends ton haltère et tu vois là, tu vas travailler là. 1. Jusqu'à la mi-chemin. Serre les abdos, rétroverse ton bassin.
limite tu peux fléchir un petit peu les genoux. Et c'est là que ça travaille, hein. C'est pas là. Hein. C'est là. Là en fait ça se contracte pour rééquilibrer, tu vois. Il faut absolument qu'il y ait un angle hein, de ce côté. Et là tu changes. Tu descends, tu tournes. Tu descends, tu tournes. On descend, on tourne. Contracte, hein. Contracte-moi ces abdos, ma petite. 3, 2, 1, tu poses ton haltère et là, crunch lacé. Et tu t'accroches. Allez, touche-moi ça, ma petite. Touche. Touche ça. Encore. Oh pétard. Ouf. Là, tu tiens. 1, 2, 3. Tu relâches. 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 1, 2, 3. Tu relâches au pétard. Et là, on continue. Courage. On s'accroche. C'est dur, je sais. Allez, on repart sur le premier. Donc, tu te mets en planche. Donc là, hop, tac, tu touches. Tu pivotes, tu touches. Tu pivotes, tu vois, t'es en planche là. Et hop, tu touches. Tu le fais en deux temps. Tu stabilises. Tu pivotes, t'es en planche latérale, tu montes la jambe, tu stabilises, tu es en planche latérale, tu touches la jambe. T'as vu? Décompose l'exercice, tu verras qu'il te paraîtra beaucoup moins compliqué. Super. Oh là là, perte d'équilibre, t'as vu ça? Oh là là. On attrape la terre et on reprend. Allez. 1, 2, enfin, je ne vois même pas pourquoi je compte. J'ai pas besoin de compter. Tu contractes tes abdos. Hein. Là, on travaille ce côté-là. Tu laisses tomber et à la force de l'abdos, tu remontes. Tu vois? Tu contractes. À la force des abdos, tu remontes. Tu vois? Tu prends la terre. Hop. Tu tournes à gauche, tu remontes. Tac, tu tournes. Tu peux même tendre. Hein. Tu peux même faire ça. Voilà. Regarde, tu vois, on upgrade un peu. On fait l'autre côté. Donc là, c'est pareil. À la force des abdos, tu penches. À la force de tes abdos, tu remontes. Tu remontes, tu vois. Et là, tu dois sentir que là, c'est contracté. Allez. Là aussi, ça travaille. Hein. C'est engagé des deux côtés. Hein. Encore. Encore. À la force du buste. On repart. Donc, tu tends, tu tournes, tu remontes. Tu tends, tu tournes. Pour ceux qui se demandent, j'ai une kettlebell de 6 kg. Avec une haltère, ça fonctionne. Hein. Avec une bouteille d'eau aussi. Tu descends, tu tends, tu tournes. Attendez. On descend au sol. Et tout placé. Tac. Tout fermé. Tac. Allez, courage. Tac. Courage. Tac. Tac. Oh pétard, la vache. Oh malheur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouh. Oh pétard. Allez, tu t'approches. Pousse-moi ces talons, meuf. Là, cet été, tu seras la plus belle sur la plage, hein. Oh pétard, elles sont pas prêtes, hein. Ils sont pas prêts. 3, 2, 1. Exercice terminé. Oh pétard, le bloc 2, c'est fini. Le bloc 2, c'est fini. La séance, elle sera en replay sur YouTube, les filles. Hein. Je te rappelle, ma chaîne YouTube, c'est No Burpees by Kyria. Tu bois une gorgée d'eau. On part pour le bloc 3. Prête, prêt, c'est parti. Donc, commencez. Tu descends.
Tu l'attrapes. C'est comme si tu essayais d'attraper quelque chose et qu'après tu voulais le monter en l'air. C'est pas une fente, hein. C'est juste tu fais une petite flexion pour attraper ce que tu as à attraper. Et tu fais un petit pivot. Tu peux faire deux pivots. Un pivot ici, un pivot là. Pivot, tu pivotes. Tu l'auras compris, c'est une histoire de pivot. Allez, parfait ma petite. Le fessier est engagé. Hein. Si tu as des courbatures, quand tu fais la petite flexion, tu le sens. C'est tout à fait normal. On fait l'autre côté. Donc, pivot et pivot. Tac. Tac. Courage. Summer, il me regarde. Summer, c'est mon chien. Il est à la fenêtre. Le pauvre, il s'est mis à pleuvoir. Il doit lui tarder de rentrer. Regarde, il est là. Courage. Allez, pivot et pivot. Encore. Allez, s'approche. Tu descends au sol. Et là, regarde, on va faire pas un mountain climber, mais on va faire ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça, les abdos. Gauche, droite. Courage. Si ça serre dans les épaules, tu fais ça. Tu pousses, tu reviens. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Impeccable. Encore. Accroche-toi. Quand t'as mal dans les épaules, tu t'arrêtes pas. Tu pousses. Et tire en fait. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et là, on part sur le touche lacet. T'attrapes une haltère cette fois-ci, ma petite. Et là. L'haltère est optionnelle. Allez, courage. Tu t'accroches. Oh. À mi-chemin. Allez, courage. Allez, encore. T'es pas obligé de prendre la terre. Hein. 3, 2, 1. Commencez. Allez, super. On repart en haut. Rappel. Donc, tu pivotes, tu montes. Tu pivotes, tu montes. Allez. C'est la deuxième fois qu'on fait le bloc 3, ma petite. Donc, faut que tu t'accroches, c'est sûr. Parfait. Encore. Parfait. Allez, encore. Encore. Faut que tu t'accroches. Faut que tu t'accroches. Encore. On fait l'autre côté. Donc, tu te baisses. Tu pivotes. Un pivot. Un pivot. Encore. Et ouais, tu vois, on peut faire des abdos debout. Hein. Là, typiquement, c'est pour les abdos. Il y a une petite sollicitation du fessier quand tu descends, mais c'est un exercice d'abdos. À mi-chemin. Courage. Hop. Hop. Ouh. Accroche-toi. Faut pas que tu lâches. Faut pas que tu lâches. Prends ta botte de conserve, change de poids, prends une bougie. Prends une paire de chaussures, prends ce que tu veux, un coussin même. Commencez. Nickel. Tu descends au sol. Hop, t'es prête? 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas y arriver. 1, 2, 3, 4. C'est optionnel le saut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta main aux épaules, tu pousses vers l'arrière et on reprend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On part en touche lacée. Hop. Tac. 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 Tu peux. Regarde, on va faire comme ça. On change. Super. Allez. Super. Essaye de toucher tes mains, regarde. Tac. À mi-chemin. Tac. Tac. Oh putain, ça m'énerve. Mais qu'est-ce que c'est que cet exercice de merde? Qui a inventé l'applaudissement sous les genoux? Pour quelle raison on s'inflige le chat? Je sais pas. Super, on reprend depuis le début. Hop là. T'es prête? Ça sera ta terre. Tac, ça s'améliore à mi. Hein. Tu descends, tu montes. Tu descends, tu montes. Tu montes. Ouf. Encore. Petit pivot. Petit pivot. C'est une histoire de pivot. Allez, courage ma petite. On est ensemble, hein. C'est-à-dire que je prends l'avion ce soir. Je prends l'avion à 18h. Donc, si l'avion se crache, je voulais te dire que j'avais kiffé faire des lives avec toi. Non, je plaisante. Que je me porte pas la poisse, sa mère. Oh pétard, on va arriver super tard à l'Épinal, parce que de Strasbourg jusqu'à l'Épinal, il y a 2 heures de route. Je ne sais pas quand est-ce que tu referas ce live. En tout cas, à toi, à ton toi du futur, aujourd'hui, si tu veux tout savoir, nous sommes le 15 décembre 2022. Et il est précisément 9h et des brouettes, presque 10h. Donc voilà, à toi du futur, bonne séance. 3, 2, 1. Allez hop, t'es prête? On y va. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pousse vers l'arrière, détends tes épaules. On repart. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pousse vers l'arrière, ma petite. Détends tes épaules. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pousse vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, pétard sa mère. Tu te mets sur le dos. T'es prête? Tac. Tac. T'applaudis. 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 Allez, on s'applaudit. On fait quoi? On s'applaudit. Oh pétard. Oh sa mère. Oh là là. La vache. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, mon Dieu. Faut s'accrocher, hein. Oh pétard. Oh là là. Putain, j'ai soif en plus. J'ai soif sa mère. Tu t'accroches. Tu t'applaudis. On applaudit encore. On applaudit encore. Exercice terminé. Oh pétard. Patch. Eh bien écoute, c'était super. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à très bientôt.